Enregistrement, on fait les claps. Ce jeu a été organisé par ARG Hold et GMP-Romain. Bah merci mon con. Salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de type réaction. La dernière fois que j'en ai fait une, j'étais pas trop à l'aise finalement avec la caméra. Hein. Depuis le tournage sur Squid Game, ça a totalement changé. J'ai demandé à mes tout nouveaux assistants de prod, qui sont des monstres qui ont fait le truc dans un temps record, de me faire un petit diaporama. Et là on va partir sur une thématique un peu pas spéciale, parce que ça a déjà été fait, évidemment que ça a déjà été fait. Évidemment. Est-ce que cette vidéo existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? C'est simple, c'est efficace. C'est pas cher, c'est gratos. Du coup, vous avez remarqué, je change des décors. Vous avez remarqué, je change de décor approximativement 600 fois par année, ce qui est totalement normal. Vous en faites pas. Vous aimeriez une explication? En temps voulu. Du coup, oui. Oh putain, ça fait bizarre. J'avais pas vu, mais je suis en t-shirt. D'habitude, je suis toujours en pull et tout. Non, on va juste mettre une veste. Oh là là, ça me fait des épaules quand. Putain. Biscotto quoi, pouf, la salle ça pousse, attention je commence. Ah bah si tu j'arrive, alors. Allez on va partir direct sur le petit truc parce que je suis impatient parce qu'en fait je sais même pas ce qu'ils ont fait. C'est génial, genre, vous êtes des monstres. Ce qu'il faut savoir c'est que ces deux là sur Discord je leur ai dit il y a quoi, il y a 3 jours j'ai fait les gars vite il nous faut genre un diaporama genre en mode vous me faites deviner des trucs genre par exemple ça, si ça. Du coup on est parti sur le thème de la vidéo, est-ce que la vidéo existe ou pas. Donc je ne sais absolument pas ce qui se passe. Déjà je débarque, je vois un super diaporama, genre il est magnifique, comment t'as fait? Bah genre ça se trouve c'est un truc tout fait en fait, je suis con. Tu vas avoir 25 situations et tu vas devoir définir si la vidéo existe telle ou non. Oh, fera pas gaffe aux fautes d'orthographe. Les charis mais c'est les meilleurs, c'est des ouf. On y va, c'est parti. Première situation, une voiture s'arrête en plein milieu de la route et provoque un accident et repart sans problème. Bah ça c'est du vu, j'en suis sûr que ça existe. Clairement s'il n'y a pas une vidéo qui existe comme ça sur internet, c'est franchement bah, c'est chelou. Mais pour moi je pars sur un, bah je pense que ouais, clairement. C'est vrai. Oh mais oui. Bon bah ça fait quoi un petit point pour moi ça, normal. Genre le mec qui s'arrête en mode balai couille, il crée 600 accidents mais il repart, normal. Deuxième vidéo. Dans un cimetière à Avion. Ah oui, dans un cimetière à Avion. Dans un cimetière à Avion, un ouvrier dans un véhicule de chantier s'amuse avec un avion. Ah franchement si c'est vrai, c'est dingue. Mais moi je pars sur... Moi je pense que c'est faux. Honnêtement je pense que c'est faux. Un cimetière d'avion, un mec qui s'amuse avec un cimetière, avec un cimetière. Pff, non mais... Le mec il a créé un manège. Ça, il y a de ses potes à l'intérieur, ils sont en train de s'éclater de ouf là. Ils sont en mode wouhou. Ok, troisième situation, c'est parti. Une personne va déposer un chèque à la banque et se fait tacler par un chien. Ça c'est vrai, je l'ai déjà vu. Enfin, il y a plein de vidéos de genre des petits qui sont sur la genre et puis ils se font shooter sa mère par un chien. J'en suis sûr qu'elle est vraie. Après c'est bizarre parce qu'il y a quand même deux vrais là. Est-ce que Argold et Romain ont été assez malins pour mettre 3 vrais d'un coup? Déposer un chèque à la banque, ça se trouve, ils jouent sur les mots, ces enculés, là. Moi, je pars sur un c'est vrai. Je suis sûr que ça a déjà été fait, c'est obligé. Faux. Oh, putain. Obligé, c'était un truc genre, non, en fait, il est sur la plage. C'est ça, j'en suis sûr, c'est ça. Et quatrième situation, un chien tout content traverse le grillage de maison première fois, mais se cogne contre le grillage au deuxième tour. J'ai rien compris. Je pense qu'en gros ça doit être un chien qui doit sauter par-dessus un grillage et au retour il refait la même chose qu'il se le prend. Je suis sûr que c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est obligé, les chiens ils adorent ça. Parfait. Oh putain. Là ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Bam. Oh, je rigole mais ça doit faire mal. Suivant. Oh, c'est Amixem qui dit ça. Merde. Ok, cinquième situation. Une personne gratte un ticket à gratter et gagne une récompense. Je vais leur envoyer un message. Une personne donc gratte un ticket à gratter et gagne une récompense mais brûle son ticket sans faire exprès. Moi je pense que ça peut exister. Ça peut exister. Mais je pense pas que ça a été filmé. Donc je pense que c'est faux. Allez, vous allez faire quoi? Je sais même pas combien de points on est mais de toute façon ce sera au montage. Le monteur. C'est moi le monteur. Ok, sixième situation. Un client allume une télé sans se faire griller par les caméras de surveillance. Dites-vous bien une chose. J'ai vu quasiment, allez, 95 de tous les mêmes sur internet. Toutes les vidéos, je les ai vues. Cette situation, elle est vraie. Ah, mais oui, mais il est connu, celui-là. Attends, quoi? Et là, il sort, et il a l'écran. Mais c'est un magicien.
Ok, septième situation. En fait, je sais même pas si on va jusqu'au bout des 25. On verra bien, ça va être tranquille. Un homme invente une machine pour boire des bières très vite avec les outils de son garage. J'en suis sûr que c'est faux. Pour moi, ça me paraît trop... Je pense que ça, c'est un coup de Romain. Je suis sûr que t'as cherché trop de détails. Pour moi, c'est faux. Oh. Pardon, Romain. Quoi? Par contre, cette tête, elle est magique. Donc, elle sera en miniature. Enfin, j'espère. On est beau avoir découvert que dalle sur le cerveau. Bah, putain, il y a quand même des mecs qui se sont inventés des tireuses à bière. Huitième situation. Le chef d'une équipe de hockey sur glace se prend pour Dark Vador et manipule ses coéquipiers. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça me paraît beaucoup trop détaillé. Romain. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu lâcheras ton petit like également et tu mettras la petite cloche. Vous me prenez pour un con ou quoi? J'en suis sûr que c'est faux. C'est évidemment... Ouais. Quoi? Mais non! Oh, c'est génial! Oh non, c'est génial. C'est génial. Putain, j'adore! Oh, c'est trop bien! Je suis trop content de perdre sur ce point-là parce que je suis content de me dire que... Ah, putain, ils sont allés chercher loin, quoi, les zigotos, ouais. Ok, neuvième situation. Putain, on est déjà à 9. Des nonnes vont à la plage et reproduisent leur monastère. Putain, en fait, j'essaie de me mettre à leur place, genre dans la réu qu'ils ont eue, et de se dire à quel moment ils ont fake et à quel moment ils ont fait des vrais trucs. Et t'as tapé quoi sur internet pour avoir ça, en fait, si jamais tu le trouves? Genre t'as marqué quoi, vidéo drôle sur la plage, non? Non, non, en vrai, non. Si c'est vrai, je vous jure, je sais pas comment ils auront fait, mais ils sont très forts. Pour moi, je pars évidemment que c'est faux. Et si c'est faux, mais où est-ce que vous allez chercher vos trucs? C'est faux. Non, mais c'est pas possible. À quel moment tu te dis, on va mettre des nonnes sur une plage qui reproduisent leur monastère? Un 4x4 sauve un avion d'un terrible accident. Comment une voiture peut... Bah, de préférence un 4x4. Comment un 4x4 peut sauver un avion? Je suis impatient de savoir si c'est vrai ou faux. Si c'est faux, c'est dommage, parce que ça aurait été très intéressant. Mais si c'est vrai, voilà, bon, je pars sur... Moi, je dirais que c'est faux. En vrai, ah, j'ai envie d'y croire. Mais il serait capable, après les nonnes sur la plage. Oh putain, c'est vrai. Mais oui. Oh, sa mère. Quoi? Attends, mais attends, quoi? Attends, du coup, parce qu'en fait, il faut se redire. De 1, le mec a pris sa voiture et s'est dit, les gars, je me mets devant l'avion, il va atterrir cet avion, il va pas se cracher. Et il y a quand même un mec qui a dû valider en mode, vas-y, fais-le. À quel moment tu valides ça? Cette personnalité crée dans sa maison une cache pour y mettre son argent. Une cache pour y mettre son argent. En gros, je pense qu'il a tout simplement caché son argent. Et bah, vous allez être surpris, mais je pense que c'est faux, parce que... Qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait? Viens voir dans le garage. Culé. Non. Bah oui, non. Ah, l'enfoiré. Mec, t'es... Oh. Non. Ah, les bâtards. Putain, c'était quoi la question? Cette personnalité... Ah, les enfoirés. Bien joué, ma vie. Ah, les enculés. Je suis content d'avoir perdu sur ça. Puis c'est génial. Masterclass, les gars, je vous kiffe. Putain, ça date. Ah oui, c'est vrai. Ah, les enfoirés, désolé, c'était un petit troll, alors culé. Alors, quel est ton résultat? Lequel a été ton préféré? Ah, intéressant. Pour vous, laquelle des situations vous a le plus étonné? Pour moi, c'est vraiment la vidéo de cette personnalité qui cache de l'argent dans son garage. Sierra Gold, juste pour vous dire que je suis sur le point de m'organiser pour mettre en place une petite activité pour la prochaine vidéo en plein air. Petit indice. Quoi? Attends quoi? Juste pour dire que je suis sur le point de m'organiser pour mettre en place une petite activité pour la prochaine vidéo en plein air. Quoi? Je peux vous assurer que je ne sais absolument pas quoi il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est tout! Petit indice. C'est ça l'indice? En gros, c'est un pendu. Je ne vois pas. Je vois pas. Bah, je vous demanderai. Bon, et bah, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Évidemment, il y aura plein d'autres trucs parce que là, maintenant que je possède des amis en béton armé qui me font des super... En vrai, Tiapo, ils sont magnifiques. Argol, tu me diras comment t'as fait. Je suis sûr que c'est un truc tout fait en template. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Merci à Argol des Romains pour ce diapo, pour ce petit jeu. Bah, je me suis bien amusé, mine de rien. Vous m'avez bien trollé aussi, bande de petits malins. Oh putain. Moi, je vous laisse du coup des gros bisous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des idées de concepts, de vidéos à faire, que ce soit dans ma chambre ou bien que ce soit sur le terrain. J'attends vos retours avec impatience. C'était Afters.
Ça fait bizarre. C'était Tristan, et puis bah à la prochaine, pour de prochaines vidéos. Je reviens en force. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao. Moi je vais boire mon Pepsi Max sans sucre et tout. Abonnez-vous, hein.